La dernière fois, Pink Lady, qu'on s'était affronté dans un bull battle, les gens ont voté pour ma maison. Pink Lady, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette revanche. Aujourd'hui, les amis, on va faire un château bull battle challenge fille versus garçon. Celle-là, c'est moi qui vais gagner, par contre. Ah ouais, t'es sûr? Est-ce que tu t'es amélioré niveau construction ou pas, là? Pas du tout, mais c'est juste une question de talent, en fait. Talent, les amis. Avant que la vidéo commence, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes pour la team Pink ou pour la team Jean-Fils? Alors, les règles sont très simples. On a le côté bleu et le côté rose. Moi, bien sûr, je suis un garçon, je vais du côté bleu. Et on aura une demi-heure pour construire notre château. Attention, le chronomètre se lance dans 3, 2, 1. C'est parti, Pink Lady. Tu as une demi-heure pour créer ton château de fil challenge. Moi, j'ai préparé mes petites fabriques juste ici. Il y a un mur qui nous sépare. Comme ça, je ne pourrais pas voler les idées de Pink Lady. Moi, je vais mettre toutes mes préfabriquées juste ici. Pour construire mon château de garçon challenge, les amis. Je vais récupérer. T'as quoi comme idée, Pink Lady, toi? Ah, thème ancien. Thème ancien. En tout cas, regarde, on prend la couleur bleue parce que c'est ma couleur. Je regarde s'il n'y a pas d'autres préfabriqués avec beaucoup de couleurs bleues. Regarde. Oh oui. Oh, ça, c'est une bonne idée. J'ai une petite idée. J'ai ma petite idée. Oh, ouais, ça va être une idée géniale. Oh, si je prends ces blocs-là, Pink Lady, c'est sûr, elle va pas être prête. Du coup, va falloir commencer ma fondation. J'ai une demi-heure. Est-ce que je fais une grosse fondation ou une petite fondation? Je ne sais pas pour l'instant. On va commencer par faire des murs juste ici. Je vais faire une maison impair au niveau des blocs. Du coup, attends, là, on a 6. Donc, attends, on va en rajouter un. Ah non, quand même, ça fait quand même grand 6. Du coup, voilà. On va faire du 5 par 5. Je pense que c'est parfait. Comme taille de maison, les amis. Est-ce que tu es confiante, Pink Lady, aujourd'hui pour cette vidéo Bull Battle ou pas? Ouais, ça va, je suis confiante. J'ai des idées. Regardez, les amis, pour aller plus vite, on sélectionne ça. On connaît les petites astuces. Oh ouais, j'ai une sale idée. Mais Pink, tu vas être jalouse de ma construction. Mais je te le dis clairement, j'ai une sale idée. J'espère juste que je vais avoir le temps pour finaliser mon idée, mais clairement, j'ai ma petite idée bien sympathique, et je vais bien sûr ne pas te spoil, clairement. Bon, pour le moment, ça ressemble pas du tout à un thème de garçon, mais ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée de la mort qui tue challenge. On commence déjà à faire cette petite tour juste ici. On va faire l'autre petit tour, la même exactement, de l'autre côté. Ah ouais, on construit vite, hein. On construit vite de cette manière-là. C'est la petite astuce. Je sais même pas si Pink, elle connaît cette astuce pour construire beaucoup plus vite. Oh, regarde, on a déjà une petite fondation de notre château, les amis. Ça va être du très très lourd. Alors, on va faire notre petite porte d'entrée. Et la porte d'entrée, regardez-moi ça, les amis. On va la mettre juste ici. Ah, là, vous êtes en train de vous dire, mais Jean-Fils, ça ne va pas du tout. T'inquiète pas, mon frère. T'inquiète pas, vous n'êtes pas prêt. Là, vous allez commencer à comprendre. Jusqu'ici, Pink Lady, elle comprend rien à ce que je dis, n'est-ce pas? Hein, Pink? Tu comprends rien à ce que je dis, hein? Voilà, magnifique. Oh ouais, c'est une bonne idée, ça, ce que j'ai eu. C'est une très bonne idée. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps à placer, mais je pense que ça va bien donner. Je sais pas si vous êtes d'accord, les amis. En tout cas, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voter entre Pink Lady ou Jean-Fils. Quel est le meilleur château challenge? J'espère que vous allez voter pour moi. Et j'espère que, en tout cas, dans l'espace commentaire, vous êtes pour la team Jean-Fils, les amis. Je compte sur vous. Et j'imagine que Pink Lady, elle compte sur vous aussi. Ouais. Oh ouais, là je pense que je suis parti sur une très très bonne idée, Pink. Là, clairement, je vais gagner des points, mais genre vraiment, bon, je suis quand même en train de faire un truc un peu trop gros, je trouve. Mais en tout cas, vas-y, il faut que j'aille plus vite pour poser les blocs là, parce que 30 minutes, c'est beaucoup, mais ça peut passer très très vite, hein, les amis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, j'ai bien arrosé mon début de château. On va juste en rajouter juste un peu par-ci. Oh ouais, ça c'est génial. Juste ici, les amis, on va faire un petit avant-poste. Mon château, il va être lourd de chez lourd, Pink Lady. Juste ici. Oh bébé, magnifique. Bon, là je commence à me dire, en tout cas ça commence à être bien. Mais il n'y a pas assez de bleu. Donc il va falloir vraiment que je fasse attention à ne pas oublier le thème des garçons. Ah ouais, je pense que je vais utiliser ça. Ah ouais, je vais remplacer ça par ça. Oh que oui. Ah ouais. Oh que oui. Oh, la petite touche. La petite touche qui fait tout. On va ici rajouter des petites fenêtres. Hop. Et là, on va essayer de rajouter un toit. Oh, ça, les meurtrières juste ici. Ah ouais. Oh là, ça fait vraiment château. Là, Pink Lady, je te le dis, ça fait vraiment château.
Moi non, clairement pas. Ah ouais, ça fait pas château. Mais toi, t'es pas prête en fait, Pink Lady. Eh, je suis sûr, les gens, ils vont voter pour moi, mais c'est sûr et certain. Elle est vraiment pas prête, moi, je vous le dis. On va mettre du bleu juste ici. Faut quand même qu'il y ait beaucoup de bleu, hein. Faut quand même qu'il y ait beaucoup de bleu. Il me reste quand même encore beaucoup de temps, donc je ne panique pas à ce niveau-là. Ici, on va essayer de... Oh ouais. En plus, ça, elle est bleue, le truc, ici. Il est bleu. Attends, comment je fais? Ok, comme ça, on va essayer de bien la mettre juste ici. Oh oui, elle est bien, elle est mise. Hein. Là, elle est bien mise. On refait la même chose juste ici. On essaie d'avoir la même. Oh, bébé, c'est génial. On va essayer de rajouter juste ici, en dessous de ça, histoire de faire tenir le bazar. Mais je pense que je perds beaucoup de temps sur ce que je suis en train de faire, là. Je pense qu'il faudrait que je prenne mon temps pour me focaliser sur la construction principale et qui est le château. Parce que là, clairement, Pink Lady, je vais pas te mentir que je fais beaucoup de décorations. C'est un peu mauvais pour moi, mais en tout cas, ça rend ultra bien. Ah oui, monsieur, génial! Allez, c'est parti. On s'attaque au château principal. Oh là là, là, ça va être génial. Oh oui. Oh oui, mon ami. Ne vous inquiétez pas, je sais que pour le moment, les amis, vous allez vous dire, mais j'en fiche, il manque de la couleur bleue. T'inquiète pas, la couleur bleue, je vais faire ça à la fin. Faut vraiment que je me focalise sur la structure principale, en fait, tu vois. En tout cas, moi, c'est ma technique. Peut-être que j'ai vraiment tort, peut-être que c'est la bonne solution, je n'en sais rien. En tout cas, c'est, les amis, c'est ça la particularité de ce défi contre Pink Lady. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Vous savez bien que c'est tout le but. Ok, donc là, j'arrive pas à mettre un mur. Voilà, magnifique. Juste au-dessus de la porte d'entrée, on va rajouter des petits balcons. Par contre, les balcons, ils sont bizarres. What the fuck? Attends, les balcons, ils sont vraiment bizarres. Je sais pas pourquoi. Bref, on va passer ça. On va mettre ça pour le côté. Là, il faut juste qu'on rajoute des petites fenêtres pour que ça soit un peu réaliste. Non, même pas une fenêtre. Attends, la fenêtre, on va les mettre juste ici. Là, on n'a pas besoin de fenêtre parce que si on met une fenêtre là, ça va pas le faire. Ce qu'il faut rajouter, c'est une porte. Voilà, parce que si tu veux aller sur un balcon et si tu passes par la fenêtre pour aller sur le balcon, c'est une mauvaise idée. Comme ça, c'est bien. Là, on va rajouter une fenêtre avec un seul trou. Magnificos, magnifique. Ah ouais, génial. On va commencer à rajouter à l'intérieur le petit sol. Ça va être bien sympathique parce que si on met pas de sol, on va tomber dans la flotte, les amis. C'est pas ce qu'on veut. Là, Pink Lady, on a la moitié du temps. Et je pense que je vais donner un petit indice de ce à quoi ressemble ma base, si tu veux. Est-ce que tu veux un indice à quoi ressemble ma base ou pas? Vas-y, dis-moi. Alors moi, j'ai pensé à faire un château qui était tout simplement emprisonné dans un lac, mais gigantesque. What? T'inquiète pas, t'es pas prête. Quand tu vas voir, tu seras choqué, ah, Pink Lady. Vraiment choqué. Oh, il faut vraiment que je mette un drapeau au-dessus de ces tours-là. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un drapeau quelque part. Ça me fait très peur. T'as l'air d'avoir un bon truc. Moi, je suis confiant, Pink Lady. Toi, t'as pas l'air d'être confiance. Non, confiance. Confiante. Oui. Ils ont rajouté quelque chose de nouveau sur Fortnite. C'est... Oh, mais c'est trop réaliste. Mais what? Un like et tu auras un œuf en chocolat en dessous de cette vidéo. Mais mec! Oh, ils ont tué! Mais c'est trop mignon! Attends, du coup, attends, il faut les bleus. Vas-y, je vais prendre ça. Est-ce qu'il y a moyen de les grossir, genre gigantesque? Oh! Oh! Oh, il y a moyen. Oh! Oh, oui, ça grossit gros. Hein. Oh, c'est bien gros, ça. Oh, les amis, ça, c'est ce qu'on appelle de l'œuf de qualité tative. Hein. De l'œuf de qualité tative, ça veut rien dire, mais on s'en fout. Moi, je vais l'appeler le château de l'œuf. Parce que simplement, on a un œuf juste ici. Regarde ça. Magnifique. Oh là là, mon ami. Et continuez de rajouter des petites fenêtres par-ci, par-là. Regardez ça, les amis. Dans l'eau, je vais rajouter... Oh, attends, ça va d'office rajouter quelque chose. Attends, est-ce que ça fonctionne ou pas? Attends, what? J'arrive pas. What? Ça veut pas se mettre? Ah si, c'est bon, ça s'est mis. Ok, j'avais compris. Ouais, ça c'est génial. Ça, c'est la petite touche sur le gâteau. Même si ça se dit pas. Pink Lady, moi je suis sûr, elle va pas avoir ça dans son château. Regarde ça, gros. On voit le requin nager, c'est magnifique. On aime bien les œufs en chocolat, du coup on va en remettre, mon ami. Regarde ça. C'est là, le château du l'œuf en chocolat. On en veut, on aime ça. Donc on en met. What the fuck? Voilà, Pink Lady, ça on n'y est pas. 25 œufs de chocolat. Moi, t'inquiète pas, quoi? Tu n'es pas prête. T'as mis des œufs au chocolat? Mais oui, t'inquiète, tu n'es pas prête. Bon, je t'ai spoilé un peu, mais... Ça, c'est beau, ça. Moi, je suis sûr. Moi, je suis confiant. Mais depuis quand il y a des œufs au chocolat? Ah, ça, je ne te dis rien, moi, Pink Lady. Moi, je fais mon truc de mon côté.
Moi, je ne veux pas te donner des indices sur comment jouer sur Fortnite créatif et faire un château parfait. Parfaito. Attends, là, on va essayer de rajouter des trucs sur le côté. Oh, oui, monsieur. C'est de couleur bleue, du coup, on peut rajouter. Ça donne un petit truc comme ça au château. Ah ouais, ça, on apprécie fortement, jamais. Oh oui, ça, c'est fortement appréciable. Comme mon château est vraiment basé sur les œufs en chocolat, j'ai vraiment envie de faire un truc genre hors du commun. Tu vois ce que je veux dire quand je parle de hors du commun? C'est vraiment un truc incroyable qui pète les yeux, genre vraiment. Donc regarde ce que j'ai fait là. Bam, bam, bam. On sélectionne. Et vous n'êtes pas prêts, les amis. Regardez ça. On va faire une entrée majestueuse juste ici. On va mettre ça sur la grille. Oh ouais. Oh mais là, Pink Daddy. Ah non, attends, j'ai merdé. Bon, je galère toujours en mode créatif, mais j'essaye de faire du mieux que je peux, les amis, en tout cas. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté pure et dure. Oh ouais, mais... Non mais vraiment, Pink Lady, je pense que t'es vraiment pas prête. Hein. Là, c'est pire. Enfin, c'est mieux, pardon. Que le dernier Bull Battle qu'on avait fait ensemble, hein, Pink Lady. Je pense que tu n'es vraiment pas prête, hein, crois-moi. Hâte de voir. Voilà. Oui, ça, monsieur, c'est ce qu'on appelle une entrée majestueuse. Oh, oh mec. Oh. J'avais pas vu ça, mais mec. Mais non, mais attends, mais Pink, t'es pas prête. Attends, on va essayer de bien caler ça, mais ça, c'est un... Ça, c'est un objet, mais genre incroyable. Ouais! Ah oui, mec! Ah ouais! T'es super confiant! Ah mais ouais, mais je suis confiant. Par contre, là, si je me mange un karma de confiance. Ah mais là, Pink Lady, je te donne ma chaîne YouTube. Hein. What the fuck? Je vais réussir. Concentration, il reste combien de secondes là? Il reste 5 minutes et 30 secondes, Pink! Eh, c'est quoi, bientôt la fin! 5 minutes et 30 secondes, Pink Lady! Attention, Pink Lady! Oh là 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 là, on se demande bien qui va être le gagnant de ce Bull Battle. D'ailleurs les amis, si vous kiffez ce genre de concept, ce genre de vidéo, Oh non c'est trop beau, c'est magnifique, d'office j'ai gagné. S'il y a 200 000 pouces bleus en dessous de cette vidéo, je vous fais un épisode 3 avec Pink Daddy, donc je compte sur vous pour avoir les 200 000 pouces bleus. Là les amis, j'ai une idée et c'est un détail important. Attends, on peut plus poser de construction parce qu'on est full. Attends, je vais tout casser. Oh là là, oh j'ai cassé le décor, ce n'est pas grave. Ah oui, je casse vraiment tout le décor. En fait, Pink Lady, on est full. On peut plus passer tellement qu'on a utilisé de mémoire. Bon, attends, je casse complètement tout le décor de cette map. C'est quand même incroyable. Non, attends, est-ce que je peux poser maintenant? Oui, c'est bon, je peux poser. Attention, et voilà les amis, c'est ça qu'il nous faut, qu'on va poser juste ici, regardez ça, on va en mettre une très très grande, oh non, pas, oui, voilà, oh ouais, on va mettre ça comme ça, non, là elle vole, voilà, eh, je perds du temps là, c'est bientôt fini là, le problème les amis, j'ai pas fait l'intérieur, oh, non, oh, sérieux, j'ai oublié de faire l'intérieur, j'ai pas eu le temps pour l'intérieur, mes gamins. Non. Et toi, Pink Lady, t'as eu le temps de faire l'intérieur ou pas, toi? Bah ouais, je suis en train de faire, là. Oh non, ça c'est mauvais pour la santé, ça. Il reste 2 minutes et j'ai pas fait l'intérieur. Non, les amis, je suis censé faire comment, moi? Pink Lady, non! Je viens de voir le chronomètre, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et stop, tu lâches ta manette, Pink Lady. Alors, Pink Lady, ma construction est finie, pas du tout, mais je t'invite à venir visiter ma construction. On va voir ta réaction. 3, 2, 1. What the fuck? Attention, Pink Lady. What? Quelle est la réaction de Pink Lady? Mais en fait, c'est trop beau. Bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voici le château de garçon challenge. What? Mais c'est magnifique par contre. Eh, t'as gagné, je pense. Les amis, oh là là, j'avais dit quoi? Si je gagne, vous mettez tous un petit pouce bleu. Bon, je t'invite, voilà, donc c'est un château dans l'eau, comme t'as pu le remarquer. Pour aller au château, tu prends les petites barques juste ici, voilà, comme ça tu prends pas l'eau dans les pieds. T'arrives, t'as les deux gardes qui regardent qui tu es. Si t'acceptes, tu peux passer sur le pont, comme tu peux le remarquer, le pont bien décoratif. Et puis tu rentres à l'intérieur du château du roi. Le château du roi. T'inquiète pas, le roi il vient d'emménager, il a pas eu le temps de mettre ses meubles, c'est pour ça. Par contre, si tu vois à l'extérieur, il a ramené ses œufs de dragon en chocolat parce que c'est le roi du monde. Voilà. Ah, il est beau, hein, par contre. Allez, une note sur 10, tu me mets comment? Je te mets 9,. Oh là là, elle m'a mis un 9,. Les amis, dites-moi dans l'espace commentaire, vous mettez combien pour ma map?
Là, on va passer pour la map de Pink Lady. Est-ce que t'es prête pour me présenter ta map, Pink Lady? 3, éclaté. 2, 1. Il suffit juste que je me retourne. Ouais, la map. C'est quoi ça? Mais non. Mais what? C'est pas du tout terminé. Genre en une demi-heure t'as fait ça? Mais non, mais c'est trop nul. Non, bah je parle pas trop vite. Peut-être que c'est ultra bien décoré. Ici, déjà ici t'as un passage pour entrer directement dans la maison. Waouh, c'est vraiment bouillon. Ici t'as... Oh, ok, t'as une petite terrasse, ok, avec un petit fauteuil. C'est la maison, mais on va pas rentrer ici d'abord. Ah, c'est la porte d'extérieur, ça, d'accord. On va rentrer par la porte d'entrée. Je veux rentrer par la porte d'entrée, Pink Lady. Attention, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est pour rentrer dans un jardin secret. Ok, et ok, oh, jardin secret. Oh, un jardin japonais avec un petit aquarium avec des koi, d'accord. Ensuite. Et la chambre. Oh, la chambre, là où avec se passe beaucoup de choses. Du coup, la terrasse. La terrasse qu'on a vue tout à l'heure, d'accord. Et là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a là? Et un tapis. Un tapis, what? Magnifique. Et il n'y a rien du tout. Ben si, c'est un salon plutôt cosy, avec une petite bibliothèque, il y a de quoi faire. Par contre, il n'y a pas de setup gaming, ça me déçoit beaucoup. Ouais. Allez, je vais être gentil, je vais donner une note de 3 sur 10. Clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo en compagnie de Pink Lady. T'inquiète pas, moi je suis très content d'avoir battu Pink Lady dans ce Bull Battle. Tu peux aussi voter en haut à droite de cette vidéo pour savoir qui est le gagnant.